Hey, coucou mes petits, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue où on retrouve les magnifiques aurores boréales sur l'île de Windenburg, alors que Iowa est en train de dormir profondément. Nouveau petit matin hein, pour Iowa. Tu vas me prendre une belle douche, mon petit. Un petit pipi également. Et comme c'est le fun assuré en toujours en début d'épisode, tu vas aller manger. Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu vas manger? Allez, du gâteau. Il en a encore. Oh, et les premiers jours d'hiver. Bon, ben, on va pouvoir le revoir habillé en hipster pour le bonheur des yeux. Aujourd'hui au menu, c'est de trouver le dernier élément qui nous manque dans notre collection, vu que la semaine dernière, on a enfin terminé la collection des cristaux. Et je me suis dit peut-être que l'élément se trouvait dans un métal. Alors, j'en ai aucune idée, hein. Je ne triche pas, je regarde pas sur internet pour savoir. Je pense que si je galère vraiment, je le ferai. Et je me suis dit ça, on l'a eu sur Six Sam. Peut-être que, et puis ça c'est un Flamantium, enfin je sais pas. Il va pouvoir creuser dedans, sachant que Nami One Piece, merci à toi, tu m'as donné la piste de qu'en fait on pouvait creuser trois fois dans les cristaux pour choper un élément, donc pas qu'une seule fois, mais jusqu'à trois fois. Donc ça vaut le coup de réessayer, et puis donc je vais essayer avec des métaux déjà, et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, il a réussi, et on a eu un Melaku. Ok, ça sert à rien. On l'avait déjà. De toute façon, le seul qui on aura, et que si on a la petite musique, on aura la collecte complète. Ce serait cool de l'avoir aujourd'hui, ce serait super cool. Et hop, un platium. Ok, c'est toujours pas ça. Et ben il va continuer à extraire. Oh, oh, oh mon Dieu! Mais non, mais j'étais... Mais... Non, on a trouvé le dernier élément. Vous savez que je m'attendais à galérer beaucoup plus, comme un peu comme les cristaux, hein? C'était à côté au final qu'on l'a trouvé. Ben, il l'a trouvé dans ce truc-là, au deuxième creusage. Surtout que j'étais en train de me dire, ouais, fais voir comment elle est la maison là. Ouais, c'est vrai qu'elle est sympa et tout, machin. Sachant que je l'ai agrandi un petit peu, j'ai agrandi ça, tout ça. Mais bref. Ok, on a fini les éléments. What? Donc les cristaux, les éléments. Et en début d'épisode, quoi. Bon, bah, je pense que vous avez vu l'essentiel pour aujourd'hui. Vous pouvez donc quitter cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Regardez comme ça fait plaisir. Il est tout complet. Il est tout beau, tout complet. Avec celui en plus qui est là. Parce que, ben, il n'y a pas de place. Hein. Ils auraient pu faire une update pour rajouter. Mais bon, c'est vrai que si on a joué que je base tout le tralala. Ou faire un autre tableau qui va avec, au travail. Je pense que ça aurait pu le faire. Voilà, les éléments. Check. Du coup, il s'accorde une pause télé-bouquin. C'est vrai qu'il a bien bossé. Alors, regardez quelle belle tenue de hipster. J'adore. Ah bah voilà, c'est fini là, l'obsession de manger au bord de la piscine. Il est venu jusqu'à son l'étage pour manger assis sur le pouf. Oui, bien sûr. Alors, petite chose, tu vas faire des dons au musée. Tout ce qu'on a au moins en double, tu vas les offrir au musée. Voilà. Parce qu'après le reste, on va les vendre. Hein. On a quand même besoin d'argent, je vous ferai dire. Hein. Une petite assiette là, regarde comme elle est belle. Hop, c'est musée. Ah voilà, maintenant c'est une célébrité. Ah bah évidemment que c'est une célébrité, Iowa. Hein. Forcément, il donne des trucs, donc forcément ça aide. Hein. Et pour. Ah ouais, j'allais dire. tu les enlèves pas de mon truc. Et tout ce qu'on a. Attendez. J'ai déjà oublié laquelle que j'ai donnée ou pas. Au pire, c'est pas grave si je fais des doubles. Le musée, il va pas m'en tenir rigueur. Je pense que c'est bon celui-là, voilà. Et tout le reste, je vais le vendre. Donc on va activer. Tac, 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 tic, tac, touc, tic, tuc. Wow. 132 000. Attendez, sans déconner, c'est ce qu'on a. Tout ça, c'est ce qu'on a gagné avec le dernier voyage dans la jungle. Ok. Tout va bien. Non mais en plus d'être plein aux as, c'est beau gosse quoi. Enfin à un moment donné, il cumule un peu tout ce mec. Ça devient rageant. Hein. Pendant qu'Iowa va nous raffiner ses cristaux, petite update au niveau des reliques. Alors, c'est toujours un peu complexe. Hein. J'ai toujours un peu de mal à les reconnaître. C'est Zazatotot. Nous avons les trois normales et nous avons une seule en or. Palampalso, nous avons les trois de base et une en or. Et Totekayama, nous avons les trois de base et une en or. Donc, pour chacune des reliques, il nous manque deux reliques en or de chaque, que ce soit Zazatotot, le Palampalso et Totekayama. C'est Palampalso, je vois.
Balampalso. Je dis toujours avec un P alors que c'est un B. Non mais tout va bien. Oh, j'en peux plus de moi. Et bon bah du coup je vais virer un peu tout ce qu'il y a parce que là, en gros ça ne nous intéresse pas. Les bases, on les a vu que c'est des bases normales. Voilà. Et le reste, bah, on n'en a toujours pas besoin non plus. Donc on vend tout ça. Ça va, 2000. C'est pas ce qui va nous rapporter le plus. Elle s'en va aussi. Oui, je la vends. Et puis on va aussi commencer à s'occuper et à jarter tout ça. Mais je pense qu'il va surtout en faire des dons au musée. Hein. Renvoyer l'objet ancien. Ah! J'avais zappé. Ah, bah voilà, on a reçu 3008. Ouais, ça va, non mais on y... Non mais c'est un bon parti. Ouais, voilà, au bout d'un moment dans le challenge, forcément, on sait que c'est un bon parti. Oh! Encore envoyer l'objet. 3600 en plus. Mais pourquoi je les cumule dans mon truc, moi? Faire un don au musée. Et celle-là, faire un don au musée. Ok, je préfère faire des dons au musée en fait, parce que toujours les gagner de l'argent, c'est un peu. Voilà, ça fait un peu redondant. Genre, on a bien compris qu'il était riche, mais quand même, hein. Donc, on va faire beaucoup de dons au musée, et puis voilà, je pense que il y a encore beaucoup de choses à découvrir, comme vous pouvez le voir. Il va falloir que j'avance là-dessus pour me débarrasser un peu de son inventaire, parce que c'est vraiment du capharnaüm. Non, non, Jean-Claude, reviens là-haut! Jean-Claude, reviens ici. Regardez-moi, il a raffiné ses deux petits cristaux. C'est mignon comme tout. Tu vas me les mettre dans l'inventaire chacun. Est-ce que tu peux re-raffiner quelque chose? Oui, il y a des petites topazes, il y a des machins à raffiner, donc tu vas me le faire. Comme ça, nous, on s'avance, vu qu'il nous manque deux de chaque. Il faudrait que je fasse six cristaux déjà raffinés. Bah, c'est pas que je prends de l'avance, c'est que je me dis que quand même, peut-être, ce serait bien la prochaine fois qu'on va à Salvadorada, et bien qu'on trouve effectivement les reliques qu'il nous faut. Il nous en faut 6. Ça fait quand même beaucoup, mais attendez, moi l'élément, on l'a déjà trouvé. J'ai plus de challenge alors qu'il est pour cet épisode, quoi. Je ne sais plus quoi faire, les enfants. Bah tranquille, toi aussi. Daniela, bah je sais que... T'es enceinte ou quoi? Je sais qu'on avait sympathisé avec toi à Salvadorada, mais quand même, c'est quoi cette tenue déjà dégueulasse? C'est parce que c'est jaune que ça va avec notre salon, hein. Et puis, t'es pas chez toi ici, meuf? Ouais, tu fais ton joli cœur, toi là. Tu crois que... Ah bah oui, ça marche. Ok. Non, mais en même temps, c'est Iowa. Vous savez, déjà, vous regardez les épisodes, vous en pouvez plus. Forcément, une femme qui croise son chemin va forcément être sous son charme, voyez. Et en plus, il sait s'y prendre. Oh là 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 là. Quel gentleman. Quelle sexitude. C'est très rapide puisque j'ai déjà eu le premier baiser. Ah ouais, ça c'est très rapide, vraiment. Il lui a adressé 3 mots à Selvadorada. Mais quoi? Ah mais elle a eu un coup de foudre pour lui. C'est pas possible autrement, les enfants là. Je suis choquée. Bon, bah allez, hein. Ayoa, il a besoin de se distraire, on va dire. Il a bien travaillé, il a fini la collection des éléments, il a raffiné des cristaux. Pff, un petit peu de plaisir. Futile et charnel, pourquoi pas, après tout. Alors, comment elle est habillée? Oh, bah, dis donc, la sexitude, elle est partie loin. Bon, après, c'est l'hiver. Je peux comprendre, moi aussi, j'ai des gros trucs dégueulasses comme ça pour dormir. Donc, pourquoi pas. Allez, éclatez-vous bien. Eh ben, rien de mieux après une séance de crac-crac que de raffiner du cristal. Bon, ben voilà, on a déjà nos 6 petits cristaux qui attendront leur petite relique. Allez, 5h24 du matin, il est déjà en forme, bah, tu sais quoi? Tu vas réfléchir à une stratégie, tu vas jouer. Tes neurones ont besoin d'être entraînés ce matin pour un de nos derniers objectifs qui est la logique niveau 10. Je vous rappelle qu'on n'y est toujours pas, que c'est pas non plus le plus problématique, hein, on est à 19%. Pff. Voilà, hein, je pense que là, vu qu'on a... La seule chose que je vais attendre, c'est de retourner à Selvadorada. En attendant, on a le temps de se faire chier. Moi, je vous le dis. Alors, sinon, dans le challenge, c'est quelque chose dont j'ai pas beaucoup parlé, il faut aussi connaître les recettes. Et recettes secrètes de Selvadorada. Je viens de faire un peu le... Voilà. J'ai tout noté sur un papier où je vais cocher plus ou moins ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, comme ça je saurai qu'est-ce qu'il faudra demander au prochain voyage à Salvadorada. Alors, premier, le arepa relleno con perico. Bizarrement, je ne l'ai pas vu. Ah bah si, il est là. Donc ok, ça c'est bon. Le arepa de Pabellone. On l'a. Empanadas de verde.
Pour moi, il l'a aussi. Ici aussi, parce qu'il en a déjà fait. Pastel de palmito. Pastel de palmito, c'était ici. Les bananes plantain frites. Ça, je sais que je l'ai vu. J'ai même cru que c'était pas bon. C'était pas. Mais ça va. Pastel de camarão. Eh oui. Eh bien, nous avons un absent. C'est bien le pastel de camarão qu'il faudrait que je commande la prochaine fois. Buñuelos, c'est celui-là, on l'a. Les plats secrets sont baleada, ça c'est ok. Curanto. Ah, je ne pense pas l'avoir vu le curanto. Je ne l'ai pas, donc c'est très bien. Et la feijoada, donc ça c'est ok. Et bon, les boissons, je bois rarement, fais rarement boire de boissons, donc je les ferai la prochaine fois. À Salvadorada, en tout cas, eh bien, ça va, on a deux recettes à découvrir pour que Iowa puisse avancer dans son challenge. On est vraiment sur la fin, quoi. Bon, à part les reliques, hein, et le petit machin qui. Petit fossile qui reste avec Salvadorada, sinon on est bien parti. Alors que Master Iowa s'approche dangereusement du niveau 10, il lui reste 7%. Allez, je vais abréger tes petites souffrances parce que Bichon il a froid. Et je voudrais pas qu'il attrape la mort, le pauvre petit. Faudrait pas qu'il meure avant, bah, son petit challenge de bachelor, hein, quand même. Oh, regardez la factrice qui vient nous donner des factures. Les factures énormes, évidemment. Hein? 8 000? Bah voilà, 8 000 simflouzes. Donc tu vas régler directement tes factures. Et prendre le courrier. Parce que peut-être qu'on a nos plaques qu'on a gagné des collections, quoi. Ce serait cool. Donc maintenant dans le jeu ils ont remis les factures à un plutôt haut budget comme avant. J'ose pas imaginer les factures de ta future maison. Alors, est-ce qu'on a eu nos plaques? Oui, on a eu nos plaques. Alors déjà je vais te faire aller travailler. Tu vas authentifier cet objet-là et celui-ci. Bon donc moi je m'occupe de d'accrocher. Oh là là, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. D'accrocher tes nouvelles plaques. Les cristaux et les éléments. Hop, on va mettre ça là. Magnifique. Plaque connaisseur accompli en pierre précieuse. Le conseil de géologie des Sims tenait à vous informer que vous avez satisfait leurs exigences strictes pour la collecte et l'exposition de vos jolies âmes, amies cristallines. Voici votre plaque personnelle de connaisseur accompli en pierre précieuse. Elle est presque aussi jolie que votre collection. Oh, c'est beau ça, j'en ai jamais eu autant des plaques, moi je vous le dis. Et ici, c'est les éléments. Plaque élémentaire. Ouah! Cette plaque représente la victoire d'avoir fouillé suffisamment de formations géologiques pour extraire tous les composants de base de la matière. Une prouesse complexe? Au contraire, rien de plus élémentaire. Ça fait plaisir. Eh ben, c'est beau tout ça. Allez, tu vas en faire don au musée, voilà. Tu t'éclates. Tu vas découvrir un objet ancien ici. Et celui-là, l'authentifier. Qu'on se débarrasse un peu. Allez, ça sépare. Et ça aussi, ça part. Ah, c'était un objet à renvoyer. Bon, mais écoutez, de temps en temps, on envoie au musée, de temps en temps, on renvoie au conseil de géologie parce qu'on nous en avait envoyé plein. Et que je suis à la bourre, ça se voit, hein, entre nos découvertes à nous et conseil de géologie qui nous en envoie. Là, j'ai stoppé l'arrivée parce que j'arrivais pas à gérer le bordel, mais il a du taf. Allez. Ah, alors attendez, celui-là il est en très bon état. Parce que celui que j'ai, tiens, toi tu vas pouvoir aller manger. Va chercher bonheur, mon petit Iowa. Celui que j'ai, moi, dans ma collègue, il est abîmette. Il est abîmette, hein, donc voilà, il est médiocre. Donc je vais l'échanger contre un de bonne qualité. Attendez, faut pas déconner, non? Et celui-là, tu en feras don au musée. On s'en fout, hein, ils ont droit à des trucs cassés, eux. Regardez-moi ça. Il admire ces plats qui fait ouais, c'est moi qui fais tout ça là, toutes ces choses qui brillent, qui étincellent, qui sont dorées. Ouais, bah ça rend mon poisson meilleur, tout ça. Bon bah demain matin. Allez, de bon matin, tu vas revenir m'authentifier. Et ces choses-là, deux par deux, on fait des heureux. Et voilà un objet ancien renvoyé. Ah punaise, c'est horrible comme j'oublie, moi. Heureusement que là je commence à m'en occuper parce que vous imaginez les archéologues là, enfin les musées et tout, qui se disent bon alors il en est où l'autre? Ça fait 3 ans qu'on lui a envoyé un vase. Peut-nous authentifier quand ce con là? Allez, encore un authentique. Bah tu fais un feu don au musée, c'est très bien. C'est bien, mon petit Iowa. T'es un bon garçon.
Comment? Ah oui, c'est vrai, il y a le truc d'intérêt ra rapporté. On a 23 000, ça va, tranquille, hein. Oh bah voilà, il est arrivé au demi-million de fortune, là, Yoann. Si c'est pas richissime, je ne sais pas ce que c'est. Allez, ben, tu vas me faire des dons usés de ces deux trucs-là encore. Bon, il a clairement besoin de discuter, tu vas rappeler Daniela. Hein, mon coco? Et puis, on va continuer à découvrir des trucs, hein, parce que... tu te plains, mais bon... Voilà, tu vas découvrir un objet ancien et l'authentifier. Puisque je pense que vu qu'il nous reste encore une semaine, vu qu'on est même pas encore mercredi, pour pouvoir repartir à Salvadorada, on va devoir s'occuper. Et on s'occupera ben, en ouvrant, en découvrant les trésors qui nous restent. Ça risque d'être long et très peu passionnant, mais que voulez-vous? Et ben voilà, encore deux petites choses à donner en don au musée. Tu vas en profiter pour faire te remettre en forme, mon petit Ayoan. Manger, dormir, bouffer, encore du gâteau, mais c'est pas fini du gâteau. Et puis tu regarderas un peu la télé, un film, les Massacres au clair de lune. Hein, vu que c'est bientôt Halloween, enfin pour lui c'est l'hiver donc c'est fini, mais pour nous ça approche. Bon, ça commence à devenir une petite habitude, mais pour vous dire au revoir et vous souhaiter une bonne suite de votre journée ou de votre soirée, un petit Ayoa qui danse la simrumba, c'est toujours plaisant. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, on aura plutôt bien avancé puisqu'on a enfin la collection des éléments complète. Et puis, ben, tout doucement, on s'approche à la fin du challenge, mais le plus gros sera à faire à Salvadorada. Et en attendant, bon, ça va être un peu chiant. En tout cas, moi, je vous fais de très très gros bisous, n'hésitez pas à... partagez cet épisode si vous a plu, la chaîne en général, à liker, à commenter, évidemment, puisque ça aide énormément la chaîne à être vue. Voilà, je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao!